Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à Get Better de Algie. Donc, premier point, c'est l'accordage de la guitare. Donc, Ré, La, Ré, Fa dièse, La, Ré. Pour ceux et celles qui ne savent pas accorder la guitare en open de Ré, je vous invite à aller voir une vidéo que j'ai faite il y a quelques temps pour, voilà, pour vous expliquer tout ça. Ensuite, je vais scinder la musique en plusieurs parties pour que ce soit plus simple à apprendre. Donc, c'est parti. Première partie. On va aller à la 12e frette. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On va appuyer sur la corde de mi, la 12e frette. Corde de mi, la ré 11e frette. Corde de mi, la ré sol 10e frette. Au niveau de la main droite, hein, on va avoir cette rythmique. Ensuite, on va venir glisser à la 14e frette. Alors, vous l'avez sûrement entendu lors de ma démo, la difficulté de cet accord, ça va être l'accès en fait à la 14e frette et d'avoir un son qui va être clair et joli, parce que du coup, j'ai l'église moi qui me gêne. Alors, pour ceux et celles qui vont jouer par exemple sur guitare électrique ou avec une acoustique qui auront une église, voilà, qui sera courbée, ça sera beaucoup plus simple d'accéder à ces touches et du coup, vous aurez un meilleur son par rapport à moi, hein. Donc ça va être, on va dire, une contorsion qu'il va falloir avoir, hein. Donc on va glisser, on va servir en fait de ce doigt pour glisser 14e frette. Ensuite, on va venir mettre l'index à la 12e frette, corde de mi, la ré, et le majeur va venir corde de mi, la ré, sol à la 13e frette. Vous voyez, donc là j'ai vraiment l'église qui me gêne, quoi, hein. Je peux pas vraiment avoir, on va dire, un confort de jeu au top, quoi, hein. Et là on va faire un gros barré, corde fret numéro 12, et toujours la même rythmique. Ensuite, on va venir faire un gros barré fret numéro 5. 1, 2, 3, 4, 5. Toujours avec la même rythmique. Donc on reprend. Donc cet accord, en fait, c'est le même que celui-là. Vous voyez? C'est le même que celui-là, sauf qu'on le décale. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Corde 9. Ici, ensuite corde 8, corde 7, corde fret, fret 9, fret 8, fret 7. Et ensuite, on va venir faire un gros barré, fret numéro 7. Donc soit je pince la corde de La, soit je peux pincer la corde de Mi pour accentuer les graves, hein. Je préfère accentuer les graves avec la corde de mi. Et on repart. Oui, donc là, in this time, nanana nanana. Donc c'est fret numéro 5, hein, gros barré. Fret numéro 7, on reglisse fret numéro 5. Ok. Donc on reprend. Thank you.
là, j'appuie vraiment sur la corde de mi hein, pour les basses. Ok. Ensuite, ça va partir sur Get Better. Donc, on va venir pincer la corde de mi, la, ré, sol, si à la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et on va venir faire une sorte de rythmique. Là, on va changer complètement de rythmique. Hein, on va venir pincer la corde de mi à vide et on va faire une rythmique du genre. Vous voyez, là, je pince la corde de si, mi, la, ré, sol et la corde de sol. Après, si vous pincez les autres cordes, c'est pas grave. Et je joue vraiment pouce index. Get better. Donc, on repince la corde de si. Ensuite, on va venir rajouter une basse au niveau de la frette numéro 9, hein, corde de mi. Barré, fret numéro 5, et ensuite on lâche. Ok, et ensuite on va venir pincer, faire un gros barré, fret numéro 2. Ok, donc excuse-moi, je me replace. Donc, non, pas du tout, j'y suis pas. Ensuite, on va revenir faire plus ou moins le même enchaînement et je vais changer encore de rythmique. Donc, en sifflant, ça fait la mélodie. J'ai oublié la basse. C'est plus ou moins le même enchaînement, sauf qu'on a une petite nuance sur les deux derniers accords. Donc on reste sur la frette numéro 9, hein, et on va changer de rythmique. On lâche, barré frette 5. Ça parle. Donc là, c'est on n'a pas joué, hein, c'est a cappella. Ensuite, on va venir. Ok. Donc. Ensuite, on va venir pincer la corde de mi 12e fret. Gros barré, 12e fret, 2e fret, pardon. Nanana. 5e fret. Je vais un peu reculer pour qu'on y voit peut-être mieux. Je suis assis par terre sur un zafou. Donc. Nanana. Nanana. Donc ensuite, on va venir pincer la corde de mi à vide. On va venir corde de mi, la, ré, sol à la 7e frette, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et ensuite la corde de si va être pincée à la 9e frette. Ok, alors là ça va s'enchaîner vite en fait, c'est ok.
coup, on peut faire un barré hein, sur cet accord. Ok. Na, na, na. La vide, et après je fais un gros barré, fret 5. Ensuite je relâche tout. Donc je relâche tout. Je vais venir pincer la corde de mi aigu et mi grave à la 5e fret, 4e fret et 2e fret. En vraiment, en... et c'est pas en même temps que je joue, hein, c'est. Vous voyez, c'est pas. Ok, après je peux faire un gros barré hein, si je veux, hein. Je suis pas obligé de m'emmerder à appuyer. Donc, ok, vous voyez la nuance. Ok. Après ça fait. Alors c'est. Alors pour cette partie, je vais être honnête avec vous, je suis pas trop sûr. Parce que pourquoi toutes les guides, toutes les musiques de Algie que j'ai proposées sur ma chaîne, je les ai décortiquées en fait en regardant des vidéos. Parce que les tablatures, on les trouve seulement avec des accords lambda, hein, les la, les ré, etc. Et en open de ré, peut-être à moins d'acheter des fascicules de partitions. Sur Algie, peut-être que là c'est expliqué en open, mais toutes les musiques que j'ai faites, ça a été à l'oreille et en regardant leurs vidéos en live ou en acoustique, vous voyez. Et sur cette partie là, je suis sûr à 80% de moi, ouais. Et on va venir pincer après la corde de mi là à la 5e fret. J'appuie pas, c'est pas. C'est. Cette partie, je vous invite à. C'est pour ça que je la fais plusieurs fois et de manière lente. C'est pour vraiment vous habituer. Mais voilà, encore une fois, je suis pas sûr à 100% que ça soit au final ça. Sur la fin. Le début, c'est sûr que c'est ça. Voilà. Et après, on repart. Voilà. Bon, je sais pas si c'est clair. J'espère que oui. Voilà, il n'y a pas forcément de difficulté hein, au final hein, sur cette musique. Si ce n'est cette putain d'éclisse là, si vous avez une guitare acoustique comme moi, qui n'est pas creusée. Après, c'est uniquement pour accéder à cet accord. Hein. Sinon, après, le reste, vous voyez, c'est plutôt simple. C'est l'avantage façon de jouer en open, c'est qu'on a vraiment un confort de jeu qui est là. Vu qu'on n'a pas besoin de se faire chier, vous voyez, si je fais un barré, j'obtiens déjà un accord, donc voilà, on n'a pas besoin des fois de se péter les doigts en morceaux pour effectuer des enchaînements ou autre. Voilà, donc j'espère que c'est assez clair, j'espère que c'est assez précis et
et bien détaillé. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas, je suis toujours ouvert aux critiques. S'il vous faut d'autres explications, n'hésitez pas encore à m'envoyer des commentaires sur YouTube. J'essaie d'y répondre. Je suis pas forcément fan des réseaux sociaux ou de voilà de YouTube ce genre. Enfin, j'y suis pas constamment. Donc, si je mets du temps à répondre, désolé d'avance, mais voilà, je serai là pour vous aider. Vous inquiétez pas. Voilà. Allez, et ben bonne gratte. Ciao.